Salut à tous les champions, les champions. Je vais vous débriefer la Ligue des champions féminine. Dans cette demi-finale, on retrouve entre le Barça et Salzbourg. Ouais, c'était bien lavé les Salzbourg, comme on dit en catalan. Mais bon, ça passe suffisamment. Ouais, quand même, moi je trouve que les meufs, ça joue mieux que les garçons, honnêtement. Donc, on s'est habitué par rapport au match aller, par rapport à Marça, on avait l'habitude de voir un Marça très en forme, très offensif et infliger des gros scores à leur adversaire. Mais dans ce match, ils vont faire que reculer. On va voir une Alexandre Potominas pas très en forme. En première mi-temps, ils vont laisser la position à cette équipe de Salzbourg. Ils sont bien lavés les Salzbourg et la bouche. Et Salzbourg. Et voilà, en seconde mi-temps, à la mi-temps, il va avoir 0-0. En seconde mi-temps, Salzbourg va passer un coup sur l'accélérateur qui va infliger deux buts à cette équipe barcelonaise. Mais franchement, on a vu une équipe de Barcelone jamais inquiétée dans ce match qui va beaucoup défendre sur l'ensemble du match, qui sont en même temps ou en seconde temps. Certes, ils vont beaucoup tirer au but, mais très peu récompensés. Comme je l'ai dit au début du débrief, on a clairement pas eu l'habitude de voir Barcelone dans une forme comme ça. Ça faisait très longtemps qu'on ne les a pas vu comme ça. Surtout à la mesure qu'on a envie de produire dans cette Ligue des champions féminine. Donc voilà, c'est une défaite 2-0 pour Barcelone, mais ça ne suffit pas. Tout de même, on retiendra que Salzbourg a été très très proche de réaliser les points, mais ça n'a pas suffi. À la liste, ils ont été battus pour le score de 7-1. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est la défaite de Barcelone, la victoire de Salzbourg et la petite forme de Amelsa, Tignas, la vingtaine de Barcelone. Donc voilà, Barcelone c'est en finale de cette Ligue des Champions féminine. On verra face à qui, peut-être face à Lyon, face à Paris, de toute façon face à une équipe française, c'est déjà bien. Donc félicitations. Donc il faut retenir ça les champions. Et les champions, il faut retenir ça. Les champions, les champions, je vous invite tout de même à me laisser un petit commentaire, ça prend même pas 5 minutes. Et à me dire ce que t'en as pensé de cette vidéo. Je t'invite tout de même à partager, à liker cette